Et salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle review concernant la mise à jour du mois d'août qui a été annoncée le 28 août par CD Projekt Red. Et on va faire le point ensemble sur l'ensemble des annonces qui ont été faites. Alors la plus grosse annonce est celle que j'attendais depuis très très longtemps, qui a été un petit peu annoncée avant le stream de CD Projekt Red, il me semble que c'était le 22, c'est concernant la campagne solo de Gwent, qui pour moi est juste énorme. Donc ça s'appelle Gwent Thronebreaker. Et ce que j'adore vraiment dans cette annonce là, c'est qu'ils ont publié quelques petits gifs sur leur site, je vous mettrai le lien en description. Et n'hésitez pas à cliquer d'ailleurs sur les trois parties de cette annonce qui ont été faites sur leur site, puisque finalement on peut voir quelques images de ce qui a été fait et ça annonce vraiment du très très gros. Alors pour commencer, c'est une campagne scénarisée, ce n'est pas juste une campagne où on va jouer contre un deck adverse et puis avec une petite histoire à côté, c'est vraiment une vraie campagne. L'histoire du coup d'une reine qui possède normalement deux royaumes du nord et qui va se faire attaquer par ses adversaires. Et on va du coup reprendre les armes et voir ce qui se passe. Ce que j'aime bien dans ce sens là, c'est que ça change un petit peu du Gwent. Alors forcément c'est un jeu de cartes, les batailles ça va être un jeu de cartes, mais il y a toute une gestion des ressources et un contrôle de ses armées complètement différente, on va dire. C'est à dire que on aura différentes ressources qui sortent un peu du contexte de Gwent et qui vont nous permettre d'augmenter nos cartes, nos factions et augmenter nos armées pour répondre à certains défis annoncés par CD Projekt Red. Et là où c'est intéressant, c'est qu'il n'y a pas que 20 nouvelles cartes qui sont jouables pour le multijoueur. Ça c'est uniquement les 20 cartes. Quand on va finir la campagne, on aura 20 cartes multijoueur, enfin 20 nouvelles cartes qui seront jouables en multijoueur. Mais pour la campagne, il y a plein de cartes qui ont été annoncées et qui vont changer un peu l'aspect du jeu, on va dire. Ça restera plus juste confronté en multi avec les cartes que l'on connaît. Là ça va complètement changer, il va falloir mettre en place de nouvelles stratégies je pense. Et c'est en ça que c'est intéressant, c'est-à-dire que les cartes là vont pas pouvoir être jouables en multi, mais par contre pour le solo ça va changer beaucoup de choses. Ça va apporter du coup pour moi un renouveau qui va être vraiment sympa, avec de nouvelles, un peu comme Dagon en fait dans les challenges, où c'était pas forcément évident, il fallait trouver un petit peu le truc. Et là ça va être des cartes très puissantes je pense, qui va pouvoir contrer de certaines manières, donc ça c'est plutôt sympa. Donc j'attends vraiment beaucoup de choses sur la campagne solo, et de ce que j'ai vu, franchement ça envoie et c'est vraiment sympa. Donc je vous invite vraiment à regarder ce qu'ils ont proposé là, et vous concentrez ça par vous-même. Ah oui, et le petit point supplémentaire que j'ai failli oublier, c'est qu'il y a aussi des quêtes secondaires. Ce qui veut dire que, déjà dans le premier temps, il y a une quête principale, qui peut prendre plusieurs embranchements suivant les choix qu'on fait. Les quêtes secondaires suivent ça justement, et permettent aussi de développer un peu plus nos ressources et nos armées. Donc c'est vraiment quelque chose qu'ils ont, je l'espère en tout cas, mais ça a l'air d'être le cas. Ils ont vraiment bien réfléchi à ça, ils proposent vraiment quelque chose de complètement nouveau pour le jeu de cartes en tout cas. Donc j'attends vraiment beaucoup de choses de ça. Il est annoncé pour la fin de l'année, avant la fin de l'année en tout cas. Ça va sortir en 2017, et voilà, j'attends qu'une chose, c'est de voir vraiment ce que ça vaut. Pour moi c'est la grosse annonce, c'est ce que j'attends le plus. Ensuite, il y a d'autres annonces qui ont été faites, parce que c'était un gros stream, hein. Ça a duré 1h20 je crois. Je l'ai regardé juste avant de vous faire cette vidéo, et il y a eu beaucoup de choses, notamment des nouvelles cartes. Ils en ont ajouté entre 5 et 6 par faction, y compris les cartes neutres, et il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il y a des renforcements de thèmes, alors on verra ça surtout pour les cartes du Nilfgaard, pour les cartes des Squeatel qui ont un peu changé. Les thèmes ont aussi évolué dans le sens où il y a des thèmes qui étaient un peu trop puissants. Je parle surtout des nains tenaces qui étaient vraiment... on posait toutes nos cartes, on faisait le combo, ça marchait, on gagnait tout de suite derrière, ça marchait pas, on perdait la game. Donc ça c'était un peu changé. Hop là, un peu trop vite. Il y a aussi un ajout de nouvelles mécaniques en enlevant certains. Ils vont enlever des mécaniques qui marchaient pas forcément bien ou qui étaient un peu complexes à mettre en place, et ils en ont rajouté des nouvelles. Donc on verra ça un peu plus en détail quand je vous présenterai ces cartes là dans une autre vidéo, je vais vous expliquer ça par la suite. Et ensuite il y a eu beaucoup de mises à jour aussi pour les cartes qui existent déjà pour Gwent. Et la plus grosse annonce, c'est que les cartes dorées ne sont plus immunisées. Ça change complètement la donne, dans le sens où maintenant vous posez une carte gold, et bah c'est pas une fonction qui va être bloquée, on pourra pas rester coincé sur la même chose ou sur l'effet de cette carte là, on pourra vraiment la gérer, et ça apporte une dimension un peu plus intéressante et équilibrée, dans le sens où les nouveaux joueurs qui n'ont pas forcément beaucoup de cartes gold ou moins puissantes ne sont pas complètement déstabilisés et perdent face à des cartes gold très puissantes. Là ils ont un moyen de les gérer, je dis pas que ça va être plus simple, mais en tout cas ça équilibre un peu plus ce jeu dans ce sens là. Donc je pense que c'est encore une bonne chose, ils ont vraiment étudié ça vraiment correctement, ils ont étudié leur jeu correctement, ils ont vraiment écouté les joueurs. Et le changement là le prouve encore une fois que c'est une bonne décision pour moi. C'est mon avis personnel bien sûr, c'est peut-être pas l'avis de tout le monde, mais pour moi c'est une très bonne chose. Ensuite, alors c'est ce que je vous parlais du coup des mécaniques qui ont été un peu enlevées. Il s'agit par exemple du trio du Royaume du Nord qui ont été supprimés.
Et dans ce sens-là, je pense que c'est aussi une bonne chose, puisque c'est quelque chose qui était assez dur à mettre en place. Quand il était mis en place, c'était assez puissant, mais pour moi, c'était pas une mécanique qui était très présente, pas très utilisée, qui était assez complexe à mettre en place, avec que certaines cartes qui permettaient de le faire. Donc ils ont supprimé ça, ils ont changé bien sûr les cartes qui jouaient avec le trio, et d'ailleurs je vous présenterai dans les mises à jour des cartes, et donc je pense que c'est une bonne chose aussi. Et ensuite, il y avait quelque chose qui était assez présent sur la méta, c'était le carry over. Par exemple, les monstres jouaient beaucoup de cartes, et quand le round était fini, et bah, il y a encore beaucoup de cartes très puissantes sur le board. Comme les nains d'ailleurs, les nains c'était la même chose. Le round se finissait, et bah, il y a encore énormément de présence sur le board, donc ça c'est le carry over, et c'était beaucoup trop présent sur le jeu, et ça ils l'ont changé, ils ont fait des modifications dans ce sens-là, et c'est plutôt intéressant. Et il y a aussi, de même, qui était aussi un élément très puissant et qui était trop joué. C'était les cartes avec le ordre, je parle surtout. Alors pour le Nilfgaard avec les golems qui ont été un petit peu nerfés avant de subir du coup le changement là. Et aussi pour les cartes, la carte Squelettel. Donc c'était Saskia je crois. C'est Saskia, oui, c'était Saskia qui venait. Je confonds entre les deux, entre Saskia et Saïsenthesis. Mais c'est Saskia qui a changé, du coup elle mettait beaucoup trop de valeur. En un seul play, il y avait tellement de valeur qui était mis en place que c'était beaucoup plus difficile à contrer. Et ils ont changé ça aussi dans le sens où ils ont changé complètement l'habilité de Saskia, et dans le bon sens encore une fois. Alors pareil, justement, j'y viens. Dans les prochaines vidéos que je vais sortir, justement vous expliquer quels sont les ajouts qui ont été faits par faction. Donc je vous détaillerai exactement ce que c'est. Je ferai la même chose pour les mises à jour par faction. Alors ce que je vais sûrement faire, c'est que je vais faire une vidéo par faction avec les ajouts des cartes, les mises à jour des cartes qui ont été annoncées dans la vidéo, parce qu'il y a beaucoup de changements. Ils ont annoncé que les plus gros dans leur stream, et je vais faire du coup, je vais me baser un peu sur ce qu'ils ont fait. Je vous laisserai voir dans le patch, souvent c'est des tout petits changements qui impactent pas vraiment les cartes. Donc ça je présenterai pas, par contre les gros changements je vais vous les montrer, et on pourra voir du coup un peu l'orientation que le jeu prend, que la méta prend, et pourquoi CD Projekt Red a fait ces choix là. Donc je pense que c'est quelque chose d'assez important à expliquer, et on verra ça du coup dans les vidéos qui arrivent. Donc je pense une par faction plus les cartes neutres, donc je vais essayer de faire ça assez vite, bon en espérant faire ça avant que la mise à jour soit effective, mais on verra ça. Et je tiens encore une fois à dire, pour moi et je pense pour beaucoup de joueurs aussi, la campagne solo va beaucoup changer, et donc je pense, enfin va amener beaucoup de nouveaux et va faire vraiment du bien là-dessus. Il faut savoir que moi là actuellement avec la méta qui était encore vraiment très fixée, et je trouvais pas le jeu super intéressant. Une fois que la méta était vraiment validée et que c'était toujours les mêmes decks qui ressortaient, tout ça, je trouvais pas ça forcément intéressant. J'ai beaucoup moins joué qu'avant, déjà et d'une parce que j'ai un métier à côté qui prend un peu plus de temps en ce moment, et aussi parce que bah voilà, j'ai un petit peu de manque de motivation. Donc là je pense que avec toutes ces mises à jour, ça va vraiment changer la donne. Il y aura beaucoup plus de decks viables, donc beaucoup de choses à contrer en face ou à tester. Il n'y a pas que une dizaine de decks à tester, c'est tout. Donc là, je pense que c'est une très bonne chose. Et l'ajout de Thronebreaker, justement, pour moi, est une grosse nouvelle qui va me redonner un peu de motivation. Et je pense que le jour de la sortie, je vous ferai une vidéo où on va suivre ça, du coup, vraiment avec un intérêt particulier. Et j'espère vous faire profiter de cette campagne solo, et qu'on puisse évoluer ensemble, ça peut vraiment être super fun. Donc j'ai vraiment très hâte. Donc voilà pour les vidéos qui vont venir. Et bah écoutez, du coup, à très vite pour la prochaine vidéo sur sur les reviews, l'ajout, la mise à jour de par faction. On va voir par laquelle je commence, peut-être les monstres ou les cartes neutres pour faire tout simple. Voilà, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao à tous.